Bonjour à tous, on est dans Zoticom. Bon là c'est la carte des enfants, donc la carte où on a argent illimité, c'est-à-dire que quand on tombe à zéro, on revient à 500 000. Donc c'est la carte cheatée. Mais en fait je l'ai fait que pour une raison, c'est m'amuser, parce que j'ai mis le prix du zoo gratuit pour faire venir plein de visiteurs, ce qui fait que là ils sont 686. Et on va faire ce que je crois que tout le monde a fait dans Zoticom. Mais tout le monde, je pense, c'est... Merde. Voilà. Enfermer les gens avec les dinos dedans. Attends, si j'enlève ce buisson, que je mets un caillou à la place, les gens ne devraient pas pouvoir passer. À ma connaissance, les gens ne passent pas à travers les buissons, les cailloux. Ah, je crois pas. Donc là, ils devraient pas pouvoir passer. Donc là, ils sont bloqués. Et si je fais... genre... ça... voilà, genre ça, et que... boum, voilà, vous allez pouvoir sortir maintenant, les petits tyrannosaures. Ça va être marrant. Et que... oh, si je faisais aussi ça, les ours blancs. Oui, ça me semble une bonne idée. Allez, allez vous faire bouffer. Ouais, donc là c'est vraiment les déconnes. Parce que comme vous le savez, c'est pas forcément la grande forme. Je sais pas trop quand c'est que je vous sors ça. Je sais pas si j'aurai ressorti les autres vidéos d'ici là. Parce que j'ai deux vidéos tournées qu'il faut que je montre. Mais il faut que je trouve la motivation. Et ça c'est pas gagné. Mais ça va arriver un jour, ça va arriver. On va lâcher les stégosaures dans la nature, oui. Mais bon, en attendant que la motivation me vienne... les lions aussi, lâcher les lions, ça va être marrant. En attendant que la motivation me vienne, de faire le montage, je vous fais ça, parce que ça m'amuse. Donc ouais, j'ai préparé un peu tout ce qu'il faut pour que les lions se lâchent et que les gens fuient. Vous ne pouvez pas vous échapper. Et vous qui rentrez dans le zoo là, vous allez rentrer dans le zoo et vous faire bouffer. Ouais, je pense que tout le monde l'a fait ça, Zoticom. Lâcher les T-Rex dans le zoo. Parce que ouais, c'est amusant de jouer sérieusement, mais évidemment, quoi. On s'ennuie, quoi. Du coup, bah... fuyez, bande de gens! Pose pour là. Oui, il les prend et il les bouffe! Ah, c'est beau! Ah, c'est beau à voir! Ah, moi, je dis, c'est beau à voir! Ouais, ça c'est beau à voir, c'est beau à voir ça, le dinosaure qui bouge tout. Allez, les lions, courez-leur après. Là, le mec il est assommé. Alors, mais quand on vient mettre des visiteurs neufs. Ah, il y a encore des visiteurs qui sont contents. C'est juste qu'eux sont contents en mode. On est contents. Ça doit beaucoup moins être content. Qu'est-ce qu'ils pensent, les visiteurs? Allez. Non, pas le manège. Pas le manège. Cliquez sur les gens. Je veux cliquer sur les gens. Qu'est-ce qu'ils pensent? Je quitte le zoo. Les animaux sont en liberté. Non, non, ils sont pas en liberté. C'est juste que vous êtes dans le même enclos qu'eux. C'est tout. Et c'est beaucoup plus marrant. Oh, les toilettes ont été détruites. C'est marrant, il y avait quelqu'un dedans. T'as le mec qui était tranquillement en train de chier dans ses toilettes et t'as un tyrannosaure qui lui a marché sur les toilettes. Voilà, voilà. C'est ce qui s'appelle une vie de merde. Bien être des visiteurs 5.
estimation. Il y a encore 58% des gens qui trouvent que le zoo est cool. Il y a encore une bonne estimation du zoo. Les gens sont un peu longs à la comprendre. Des tables de pique-nique qui sont écrasées par les stégosaures. Le mec aussi qui s'est coincé aux toilettes. Je sais pas du coup s'il va être bugué dans les toilettes ou s'il va pouvoir en sortir du coup. Je sais pas du tout. Je sais pas si ça va le bugger. Agent ton travail. Va balayer des déchets. Balaye des déchets. Mec. Mec. T'as des dinosaures en liberté autour de toi. T'as pas autre chose à foutre que de balayer des déchets. Ah mais moi je fais mon boulot hein moi. Moi je suis payé pour ça, je fais rien d'autre. Ça, qu'est-ce qu'ils font? Que font le personnel? Soigneur 1, surveille le zoo. Bonjour, il y a des dinosaures en liberté, je me contente de surveiller le zoo. Pareil, les scientifiques qui surveillent le zoo. Non, mais tout le monde surveille le zoo et ils se rendaient pas compte que c'est une putain d'apocalypse dans ces zoos de merde. Où sont mes T-Rex? Où sont mes T-Rex? Parce qu'il y en a qui sont pas sortis encore. Non, ils ont tous sorti les tasses. Tous mes T-Rex sont en liberté, en train de bouffer des gens. Là, j'ai les bisons aussi. Est-ce que je libère les bisons? Ouais, non, les bisons, on va les laisser tranquilles, les bisons. On va mettre plein de bisons. J'aime les bisons. Moi, j'aime les bisons. Je suis bisonphile. Ouais, non, on va peut-être pas dire que je suis bisonphile, c'est dégueulasse. Vous êtes pas content parce que vous êtes trop nombreux, mais bientôt vous allez tous vous faire bouffer par les T-Rex! Bouh! Mais ce let's play n'a aucun sens! C'est juste de la déconne parce que j'ai eu envie de déconner! T'as tout qui se fait détruire par les dinosaures. Alors, pendant que je tourne ce live, je viens de recevoir un message me disant qu'il se passait quelque chose chez les Républicains. Semblerait que l'affaire Fillon soit en train de prendre un autre tournant, parce que là, on est le 1er mars. On est le 1er mars j'ai même pas rendu compte que le mois de février était déjà passé. Putain, ce mois est passé dans le flou absolu, parce que c'est le mois de la déprime. Oui, parce que oui, bah oui, ma rupture a eu lieu juste avant le mois, à la fin du mois de janvier, et du coup, tout le mois de février, ça a été un mois où j'étais dans les vapes. Et là, je commence à peine à m'en sortir, et encore, c'est pas gagné. Donc du coup, le mois de février, il m'a passé là. Donc il est en train de passer un truc, je sais pas quoi. Donc, faudra que j'aille voir. Voilà, voilà. Mais donc du coup, voilà, bon, après, voilà, c'est pas non plus le truc le plus passionnant du monde, mais c'est juste tout le monde l'a fait au bout parce qu'ils s'ennuient dans son jeu, quoi. Allez, pose-toi là, il fait faire les gens. C'est pas le truc le plus intéressant du monde, mais voilà, c'est pour meubler. Et vous montrer un peu à quoi je m'amuse. Il y a une masse de gens qui fuient dans le parc. T'as toutes les petits oursons trop mignons! Ah! Les barrières des bisons sont en train de se casser. Ils vont bientôt se faire attaquer par les T-Rex, ça va être marrant. Les ours qui se baladent dans l'eau. Bref! Comme vous le voyez, c'est l'apocalypse. Les gens se font bouffer, moi ça me fait marrer. Le mec dans ses toilettes, il est toujours bugué. Ah bah ouais, le mec il est toujours bugué dans ses toilettes. Toujours bugué dans ses toilettes, c'est chouette. Puis les gens, le mec il continue de vendre ses canaux aquatiques. Bonjour, j'ai vu des canaux aquatiques. Ça, salut le T-Rex. Tu veux un orque en peluche? Putain. Le mec qui vend des boissons. Tu vois, les gens ont dû bosser tranquillement alors que c'est la putain d'apocalypse. Là, ils sont tous en train de fuir. Non, mais table de pique-nique. L'arbre. Vous avez écrasé l'arbre et une poubelle. Et des barrières. Non, arrêtez ce monstre. Il détruit tout. C'est un vandaliste. Voilà quoi, je vais pas vous faire beaucoup plus, hein, c'est juste petit truc de meublage, et puis moi je vais aller voir ce qui se passe chez les Républicains. Ça se trouve vous aurez une vidéo de réaction du coup avant cette vidéo où je vois qu'il se passe un truc.
C'est voilà. Du coup, au revoir tout le monde. Et puis voilà. Au revoir.